Voilà, vous le savez, mesdames, messieurs, les enfants affectés par DD3X vivent différentes émotions, le stress et l'anxiété, notamment au travers d'interviews. Notre prochaine invitée s'est attelée à décrire ces émotions et les comportements afférents au travers d'une étude qui s'appelle l'étude Bingo, qui ne concerne pas d'ailleurs que le syndrome qui nous concerne aujourd'hui. Elle est doctorante, elle nous vient de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Voici le docteur Jessica Martin. Hello, thank you for having Bonjour. me. So, I'm going to start my Merci presentation à tous. by zooming out from Alors, DX2X. So, je we vais know that rare genetic d'abord, neurodevelopmental on disorders are sait individually que rare, so ces like DX2X, but les collectively troubles génétiques very rares du common. développement So, neurologique we've heard about sont the number of rares. disorders caused by spontaneous mutations. So, Connaît de novo mutations account for 1 in 214 cela. to 148 births. And there are more than 1,000 genes that have been Pardon, associated et il y a with plus de 1 000 neurodevelopmental gènes qui ont disorders. été associés. We also know that mental health symptoms are Et highly on sait prevalent in aussi children and que adolescents with rare genetic c'est un neurodevelopmental disorders. problème répandu A chez les recent enfants et study les found that adolescents atteints de maladies approximately génétiques. 51% of children with rare genetic Et on conditions will sait qu'il experience y a clinically 51% significant des mental enfants health avec ces symptoms, maladies compared to rares qui about avaient des 12% of symptômes children that don't assez have a rare aigus genetic par rapport condition. à 12% des And that enfants of qui n'ont particular pas de concern are the condition high rare. Donc, ça, prevalences of c'est un problème anxiety and also par rapport à la oppositional prévalence de defiant disorder, which l'anxiété is a et puis behavioral cette disorder défiance. characterized by defiant and C'est un disobedient behaviors. désordre qui est représenté So where par does la the Bingo project fit into this? désobéissance. Donc, le projet Bingo, c'est quoi? I need, is it not work? I need, oh, sorry, I need to speak closer. Okay. So where does the Bingo study fit into this? So the Bingo project aims to Alors, explore the c'est un projet intersection of avec mental health l'objectif d'explorer difficulties l'intersection entre les and rare difficultés genetic de santé conditions. mentale et In les maladies particular, why génétiques are some rares. people with rare En genetic particulier, pourquoi neurodevelopmental certaines disorders personnes atteintes de vulnerable maladies to génétiques rares developing sont-elles mental health vulnérables difficulties? aux But troubles also de why l'humeur, mental health mais aussi difficulties are not pourquoi les difficultés universal. liées So just because you à have a rare la chèvre ne genetic sont-elles pas neurodevelopmental universelles disorder chez toutes les doesn't mean that personnes you'll go atteintes de on to NDD experience a génétiques mental rares? health Juste parce que vous difficulty. avez une maladie We're also génétique rare, ça ne interested veut in pas dire que vous understanding what aurez the des autres soucis. Et characteristics, quelles what sont the les different symptoms caractéristiques of mental des health difficultés de difficulties santé might mentale dans be, les maladies including génétiques how rares, variable they y are compris and la where they might variabilité, et emerge? pourquoi apparaissent-elles? So finally, I'll start talking about Alors, DDX2X, which I know is je what vais everyone commencer à here is parler des interested in. caractéristiques du So mutations in DDX3X. DDX2X have been Donc, associated les with mutations ont été neurodevelopmental associées avec conditions, including différentes intellectual disability conditions, and autism, donc but also mental health l'autisme, symptoms, including différentes anxiety and caractéristiques, self-injury. l'anxiété et But there are a few l'auto-agressivité. limitations with our En current ce qui existing evidence and the concerne literature les that we've built up limitations des through preuves que l'on research. a déjà et ce So que lots l'on of this sait research d'après tends la to rely on recherche, beaucoup de clinical reports recherches and formal est basée diagnosis. sur des And when rapports we do cliniques et use des measures that diagnostics capture a formels. range of Et behaviors, we lorsqu'on tend to utilise des focus on whether mesures that qui child meets a recensent tous les clinically possible or comportements, on not. essaye de voir And si what this cet means is enfant that we répond struggle to à ces determine données cliniques. Ça variability veut in dire symptoms. qu'on So n'arrive pas à tenir compte de la children might variabilité. display a Donc, range of different par behaviors, exemple, but if un we're only enfant aura focusing on those peut-être that have lots différents of those comportements, behaviors, mais si on ne then se maybe we're recentre missing que sur those that are certains et pas maybe tous, show on a va few peut-être symptoms. manquer We're not d'autres able to explore symptômes et donc variation on in n'arrive pas severity à or explorer different les symptom profiles. variabilités de ces And also, profils. when we do use these measures, they Et tend to be lorsqu'on designed for utilise ces populations that mesures, didn't elles have sont intellectual conçues disability. pour des So populations qui n'ont typically pas developing de children that then go stabilité on to intellectuelle. maybe Donc, les develop enfants anxiety. And développent it might be the case souvent that de the symptoms of l'anxiété. anxiety Donc, present les symptômes differently in de girls with l'anxiété se DDX2X présentent parfois or young children with différemment chez DDX2X. différents enfants avec So we know in autism that DDX3X. quite On sait often que chez un anxious enfant traits tend to be autiste, related to the ils sont autism symptoms. souvent So they might be anxieux related to, et for example, social en difficulties rapport, might not par be exemple, caused through avec a fear of the social des difficultés interaction sociales. itself, but C'est rather pas from the forcément fact une that it peur violates d'interaction patterns or sociale, mais parce rules, que ça vient which autistic entraver un children tend schéma to ou des règles que les favor. enfants And also that a autistiques lot of this research doesn't use the préfèrent. Et comparison puis beaucoup de sample. recherches And what this n'utilisent means is pas that we don't la know whether these comparaison. patterns Ça of veut dire que behaviors or ces schémas difficulties de are comportement ou unique ces or specific to difficultés sont DDX2X, uniques or ou whether they're even spécifiques beyond what au we might expect from the DDX3X level of ou même developmental or au-delà de intellectual ce à delay. quoi on pourrait s'attendre pour cet état de So, développement in our intellectuel. group, we try to address some of these limitations Dans by ce groupe, on talking essaye to parents donc of de 46 regarder les girls, and caractéristiques. On a 23 of those étudié had a daughter with 46 a DDX2X filles, donc mutation, and parents, 23 pardon, had a daughter avec with mutation in vingt-trois qui another avaient gene. eu And we didn't un find any differences in DDX3X the et age 23 range avec un or in autre the gène. On level n'a of pas intellectual trouvé disability. de différence So we asked parents to l'âge ou report on parent-reported measures le of niveau adaptive intellectuel. On a behaviors, so that's demandé aux like daily parents life skills, de social nous communication rapporter un petit peu abilities, motor les abilities. capacités And des also, we enfants, used quels a étaient measure les of emotion and impacts. behavior On that's a been essayé de specifically mesurer designed les for people that émotions et have le comportement intellectual spécifiquement disability conçu or
pour des gens atteints de déficience intellectuelle. Et on a essayé d'étudier aussi les caractéristiques de l'autisme. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les caractéristiques de développement entre ceux qui avaient le DDX3X ou une modification d'un autre gène, et pas de différence entre les caractéristiques de l'autisme non plus. Ce qu'on a pu voir par contre, c'est qu'elles avaient des niveaux d'anxiété plus élevés et d'autoagressivité plus élevée aussi. Donc, ce sont des comportements négatifs, par exemple, mordre sa main, gratter sa peau, etc. On a trouvé aussi qu'il y avait une relation unique entre ces différents traits. Donc, par exemple, un schéma qu'on trouve qui est différent que chez les filles qui ont d'autres mutations de gènes. Donc, pour résumer jusque-là, on sait que les personnes atteintes d'un trouble déficitaire de l'attention associé à DDX3X présentent des taux élevés d'anxiété et de comportement d'automutilation potentiellement supérieurs à ceux des personnes atteintes d'autres causes neurogéniques de troubles de l'identité. Il pourrait y avoir des associations uniques entre les caractéristiques du trouble déficitaire de l'attention et les symptômes de la maladie mentale chez les personnes atteintes du trouble déficitaire de l'attention. Mais les preuves sont limitées par les mesures de ces caractéristiques et par la construction de notre étude. Mio en parlera dans une minute. On la prépare ensemble. So in my PhD, alors, pour mon doctorat, j'ai voulu vraiment étudier ces caractéristiques dans plus de détails. J'essaye d'étudier les caractéristiques de l'anxiété chez les jeunes enfants et les adolescents atteints de troubles neurodégénératifs associés à DDX3X. Et j'utilise donc un système d'entretien avec les parents et les soignants. Et j'ai une approche clinique psychologique. Dans la psychologie clinique, une partie de ce que nous faisons, in France, you might say your cheese and your wine. Alors, nous, on dit le pain et le beurre en anglais, mais vous allez peut-être dire votre vin et votre fromage. Il y a différents facteurs qui contribuent à si quelqu'un ressent des difficultés ou pas. On utilise une formulation 5P, donc réfléchir à la prédisposition. Quel est le problème particulier? Qu'est-ce qui déclenche ce problème? Quels sont les comportements avant qui ressentent cela, pendant et après? Et à quel et quel impact ont ces comportements. Et puis on pense au fait aussi de tout ce qui peut contribuer à l'apparition de ces difficultés. Par exemple, on avait parlé de comorbidité, de choses qui peuvent se produire en même temps. On parle d'antécédents de dépression, de la naissance de la famille, des antécédents familiaux et des événements qui pourraient avoir précédé la crise d'anxiété. Parce que parfois, l'anxiété peut être déclenchée par des événements, par exemple si l'enfant était très malade et a passé un temps à l'hôpital assez long, ça peut être traumatisant, ou bien la transition vers une nouvelle école, la difficulté à se faire de nouveaux amis. Et puis on cherche des facteurs qui peuvent perpétuer, maintenir l'anxiété. Et il faut évidemment éviter les choses qui déclenchent l'anxiété, et en les évitant, on n'apprend pas qu'en fait il y a des choses qui pourraient devenir des expériences positive ou que l'environnement peut devenir sûr et acceptable. Enfin, on parle de facteurs protectifs, c'est-à-dire des facteurs qui vont au contraire aider et réduire l'impact que les difficultés peuvent avoir sur notre vie quotidienne. Donc, les résultats jusqu'à maintenant, dans mon doctorat, j'ai interviewé 13 parents et aidants. Pas uniquement des mères d'ailleurs, parfois le couple mère et père, parfois la mère et son nouveau conjoint. Et on a signalé un certain niveau d'anxiété dans 9 cas. Et juste pour que vous compreniez, on n'a pas trouvé de différence au niveau de l'âge entre les deux groupes. Lorsque l'anxiété était signalée par les parents par rapport au groupe qui n'avait pas d'anxiété, et pas de développement, pas de différence non plus dans le niveau de développement. Alors, qu'en est-il de l'anxiété et du démarrage de l'anxiété? Des parents ont parfois dit que l'âge d'apparition de l'anxiété était très variable. Certains disent que des enfants étaient très anxieux dès la naissance. D'autres disent que l'anxiété est apparue dans l'enfance ou bien dans l'adolescence. Et tous les parents ont parlé d'anxiété déclenchée. Donc, il y avait un événement, un objet, une situation qui déclenchait la crise d'anxiété. Et ce n'était pas un état d'anxiété permanent que l'on appelle l'anxiété généralisée. Et puis, tous les parents ont dit que l'anxiété est apparue comme un symptôme de manière progressive.
Et ce n'est pas d'un jour du jour au lendemain, mais une apparition beaucoup plus progressive. Il y avait plusieurs facteurs qui avaient pu déclencher l'anxiété. On a demandé aux parents s'il y avait une prédisposition à la dépression. Aucun parent n'a fait état de symptômes de dépression ou de comportement dépressif. Et concernant les événements qui ont pu se produire immédiatement avant la crise d'anxiété, un parent a dit que peut-être il y avait un événement qui avait eu un lien avec l'apparition de l'anxiété. En l'occurrence, c'était l'entrée dans une nouvelle école et la difficulté à se faire de nouveaux amis et avoir de nouvelles relations sociales. Et de laisser évidemment les amis dans l'ancienne école. Donc voilà les facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition de l'anxiété, mais quels sont les facteurs qui peuvent déclencher l'anxiété? Alors, il y a des difficultés qui peuvent être des facteurs déclencheurs. On a demandé aux parents de nous parler de différents facteurs qui pourraient, selon eux, avoir entraîné les crises d'anxiété chez leur fille, comme par exemple le fait d'aller au supermarché, ça la rend anxieuse, ou bien lorsqu'on va au parc, elle voit un chien et elle est très anxieuse. Donc, les parents nous ont signalé un certain nombre d'événements et les plus fréquemment observés étaient des modifications dans les routines quotidiennes, de nouvelles situations inconnues et des sensibilités sensorielles. C'est ce dont a parlé Effie d'ailleurs ce matin lorsqu'elle a parlé de l'expérience de sa fille. Elle est juste pour info, ils ont parlé de certaines phobies, en particulier les chiens et les autres enfants et bébés. Donc voilà, il y a des déclencheurs tels que le manque de sommeil, ou des situations sociales dans lesquelles ils devaient se montrer en société ou faire un spectacle. Et ils ont décrit aussi à quoi ressemblait l'enfant lors des expressions. Est-ce qu'il y avait une modification de l'expression faciale, des mouvements de la communication, ou bien est-ce qu'il y avait des changements physiologiques, un cœur qui, une fréquence cardiaque plus élevée, une rougeur dans le visage. Les parents ont parlé de comportement, d'émotion et de pensée et des modifications. Et la modification la plus fréquemment observée, c'était les larmes, un changement dans la parole, une distance sociale, une tension musculaire et le fait de parler, le rapport aux autres par la parole. Et ils ont observé qu'il était difficile de constater des modifications physiologiques telles que la fréquence cardiaque ou respiratoire. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le même cadre a été utilisé pour étudier l'anxiété dans le syndrome de William, qui est une autre maladie génétique dans laquelle l'un des symptômes est l'anxiété. Et là aussi, les parents ont eu beaucoup de mal à rapporter faire état de symptômes physiologiques tels que la fréquence cardiaque. Voilà, donc il faut maintenant se demander quelle est la fréquence, la sévérité et l'impact des crises d'anxiété. Et les parents ont constaté que les crises d'anxiété étaient assez fréquentes, une fois par semaine, une fois par jour, et que l'anxiété avait été dans un degré léger à modéré. Peut y avoir parfois des symptômes physiologiques durant plus longtemps que les autres symptômes, mais peu de cas étaient considérés comme sévères. Nous avons également constaté que de nombreux parents disaient que l'anxiété n'avait pas d'impact sur la vie quotidienne ou un impact léger. Et pour eux, l'anxiété, pour certains, l'anxiété pouvait avoir un impact sur la vie sociale, la communication, la routine quotidienne. Donc voilà l'impact. Et qu'en est-il des stratégies? Comment est-ce que les gens gèrent? Qu'est-ce qu'ils font face à l'anxiété? Et là, on peut parler des facteurs qui perpétuent l'anxiété, parce qu'il y a des facteurs qui la déclenchent, mais il faut aussi la prendre en charge. Et nous avons parlé donc des stratégies d'évitement ou de gestion telles que réconforter, rassurer, ou bien prendre dans les bras, distraire, apporter plus de confort, trouver des activités telles que le chant, la lecture ou le dessin qui pouvaient être utiles. Et puis, il faut évidemment éviter les facteurs déclenchants ou les événements déclenchants
et retirer les enfants des situations qui peuvent déclencher l'anxiété. Après, comment est-ce qu'ils géraient? Donc, les parents nous ont... En fait, ça allait de aucun contrôle à un très bon contrôle sur l'anxiété, donc de 0 à 10. Et il est important de rapporter que certains parents que c'était très difficile de contrôler l'anxiété, alors que pour d'autres, ça ne posait pas vraiment de problème. Ils géraient très bien. Donc, synthèse, nos premières observations à la suite des entretiens montraient que l'anxiété tente à être une réponse à des déclenchements spécifiques, modifications de la routine, nouvelles situations, modifications sensorielles. Et il y a des comportements anxieux différents comme les pleurs, la parole répétée ou la distance sociale par rapport au déclenchant. Ensuite, l'anxiété est fréquente et va de légère à modérée en termes de sévérité. Et les parents ont utilisé différentes stratégies pour gérer l'anxiété. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une des limitations de la recherche dans ce domaine, c'est le fait que l'on n'a pas d'exemple de comparaison, on n'a pas de témoins, ce qui pourrait nous donner des informations intéressantes sur les DDX3X ou sur la difficulté à gérer ces symptômes. Moi, j'essaye de faire ça maintenant dans mon doctorat en comparant justement des caractéristiques avec d'autres individus ayant des mutations génétiques semblables. J'observe l'anxiété, les caractéristiques de l'autisme, les comportements négatifs, la automutilation, les troubles de la communication. Et nous avons parlé tout à l'heure qu'il y avait aussi des activités sensorielles qui pouvaient avoir un impact. Et puis, nous voulons explorer des voies qui pourraient contribuer à l'apparition de l'anxiété. Cela veut dire qu'il faut parler de la sensibilité sensorielle et à la gestion des stimuli sensoriels, la difficulté à formuler des mots qui peuvent être aussi une source de difficulté. Si l'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent, on peut avoir un comportement anxieux parce qu'on a du mal à communiquer. C'est quelque chose qui a été observé. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'observer comment on contrôle sa réaction émotionnelle, comme quelque chose vous excite ou au contraire vous angoisse. Et pour cela, on utilise des jeux pour observer le changement de fréquence cardiaque et d'activité physique. Ça, c'est moi, en fait. Je porte un appareil avec des électrodes qui mesurent ma fréquence cardiaque et mes mouvements. Et voilà comment on organise l'examen. On a différents jouets. Et vous l'avez vu certainement sur Instagram ou sur Facebook. En fait, les parents peuvent donner aux enfants une récompense, comme par exemple un marshmallow. Donc ils disent, tiens, voilà un marshmallow, je vais te donner un marshmallow. On peut dire, voilà, un deuxième marshmallow, si tu attends pendant que je m'éloigne, tu auras deux marshmallows. Et on mesure en fait le comportement que montre l'enfant quand il s'efforce de ne pas toucher le marshmallow la première fois. Quand ils ne le touchent pas, ils en auront un deuxième. Donc on essaye de voir qu'est-ce qui se passe quand ils veulent quelque chose et qu'on ne leur donne pas, ou bien on leur donne un jouet et on le retire, et on observe ce qui se passe, qu'on retire le jouet, parce que forcément ils n'apprécient pas qu'on enlève. Et on essaye de mesurer la capacité à réguler les émotions et on essaye de comprendre peut-être qu'en régulant les émotions, il y a peut-être une anxiété qui va apparaître ou une difficulté à gérer quelque chose de difficile dans l'environnement. Et pourquoi est-ce que tout ça a un sens? Pourquoi est-ce que cette recherche est importante? Parce qu'on espère qu'avec cette recherche, on va pouvoir identifier des comportements et qui sont des indicateurs de l'anxiété, comme je l'ai dit tout à l'heure. On sait que certains enfants ont des difficultés de langage et que lorsqu'ils n'arrivent pas à communiquer leurs sentiments ou leurs sensations, cela les angoisse parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Et donc, si on peut identifier ce type de comportement, on peut peut-être améliorer le diagnostic et mettre en place des interventions et des soutiens. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas obtenir ce soutien maintenant. Mais lorsque l'on améliore la prise de conscience des troubles neurodéveloppementaux et des difficultés,
On va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas des conséquences inévitables du retard du développement. Donc, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces troubles. Et puis, je voudrais rappeler rapidement, avant de terminer, qu'on est encore en phase de recrutement. Moi, je suis à mi-chemin à peu près de mon doctorat. Donc, si vous avez une fille âgée de 3 à 18 ans qui a une mutation DDX3X et que votre clinique vous a parlé de l'anxiété et du lien entre l'anxiété et la maladie génétique, eh bien, vous pouvez nous contacter parce qu'on est tout à fait intéressé pour la recruter, pour notre étude. Et enfin, je voudrais remercier l'équipe Bingo, Kate Baker, ma superviseuse, Josephine Eck et Alkitis Mavroglou qui nous aide avec tout le matériel pour mesurer la fréquence cardiaque, etc., surtout Saint-Moise de l'Université de Londres. Et enfin, je remercie surtout tous ceux qui ont participé à ce projet Bingo, parce que rien n'aurait été possible sans votre aide. Merci. Merci. Merci, Jessica Martin. Maybe you can get back to the previous slide if the crowd want to take note this one. Dis donc, si vos compatriotes rugbyman anglais sont aussi rapides que vous, demain soir au Stade de France, ils vont faire qu'une bouchée de l'Afrique du Sud pour venger l'équipe de France. En tout cas, merci. Vous avez bien challengé nos deux interprètes qui se sont succédés, deux ou trois peut-être. Merci, mesdames, et nouveau coup de chapeau à nos interprètes, Altradis.